Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors on est dans mon salon, je suis toute seule, les enfants sont à l'école. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu ma nouvelle déco, puisqu'en ce moment, je suis à fond dans la déco. J'ai envie de tout changer à la maison, c'est un truc de dingue. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous partager tout ça étape par étape, puisque bien sûr, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais vous donner les grandes lignes. Quoi qu'il en soit, je vous vloguerai les différentes étapes de la transformation de ma maison. Attends. Quand je dis transformation, c'est pas non plus le truc que voilà, on va pas casser des murs, on va pas tout changer, mais par contre, voilà, je voudrais changer tout ce qui est peinture, la déco, je voudrais quelque chose de beaucoup plus chaleureux, sachant que chez moi, voilà, c'est pas froid non plus, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits détails que j'aimerais changer, puisque ça fait maintenant 7 ans qu'on habite ici et ça fait 7 ans qu'on a la même déco, donc là j'ai vraiment envie de changer. Par la même occasion, je vais vous montrer les différents cadres et affiches que j'ai reçues de la part de la marque Desenio. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque quand même assez connue pour tout ce qui est affiches, cadres et tout ça. Moi, je sais que je bavais devant leurs affiches, mais c'est vrai que je n'ai pas voulu commander parce que je ne savais pas vraiment quoi faire en termes de déco et j'avais aussi pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc, c'est vrai que là, quand ils m'ont proposé la collaboration, j'ai pas refusé du tout, j'étais aux anges, j'en pouvais plus. J'ai passé des heures et des heures sur leur site internet à essayer de sélectionner les affiches que je voulais. Quand je vous dis des heures, c'est que vraiment, je savais pas du tout faire de choix sur quoi choisir, quel thème et ainsi de suite. Tellement ils ont des affiches, mais à tomber par terre. De toute façon, si vous voulez quelques inspirations, vous allez simplement aller sur leur Instagram et vous verrez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, j'ai réussi à faire une sélection et encore, hein, on m'a proposé un budget, pour rien vous cacher, de 250 euros pour tout ce qui est affiches et cadres. Et j'ai dépassé ce budget parce que franchement, impossible de faire un choix. Donc bien sûr, la différence, je l'ai payé de ma poche, hein, mais j'ai trop craqué. Donc j'ai pris des cadres comme ça. Le grand ici, 70-100, ne vient pas de chez Desenio puisque je l'avais déjà. Et voilà, donc j'ai pris de différentes dimensions. J'ai pris du 30-40, du 21-30, du 40-50 et du 70, non, du 50-70. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont des affiches Desenio. J'ai pas pu attendre quand j'ai reçu le colis. Il fallait direct que je les mette dans leur cadre puisque j'avais déjà des cadres de disponibles. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vais vous parler un petit peu des différents changements que je vais effectuer dans la maison. Et puis voilà, je pense vous vloguer au fur et à mesure pour vous montrer les différentes étapes. Donc c'est parti. Donc là, on est dans ma salle à manger. Il me semble ne vous avoir jamais fait de room tour pour mon salon et ma salle à manger. Mais voilà, vous avez dû voir quelques petites images à travers mes vlogs ou mes routines ménage. Donc là, en ce qui concerne les meubles, je ne vais rien changer, hein, je vais tout garder. Ce sont des meubles qui sont encore en bon état. Ok, ici, on a des petites rayures. Mais ça fait maintenant presque 10 ans que je les ai. Je les ai payés relativement cher, mais ça reste quand même de la bonne qualité. Donc je ne vois pas l'intérêt de changer mes meubles. Je vais juste changer les poignées ici, puisque là, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est cassée. Donc voilà, ça je vais changer. Sinon ici, au niveau de ma salle à manger, je ne vais pas changer grand-chose, mis à part apporter ici un grand tapis qui fera tout le tour de la table. Mon lustre, je ne sais pas encore si je vais le garder ou si je vais m'en séparer et mettre quelque chose de différent. C'est vrai qu'à l'époque, quand on habitait dans notre ancienne maison, on avait un style un petit peu baroque. Et c'était la raison pour laquelle j'avais choisi ce lustre. Il est très très beau, hein, je l'adore. Il est vraiment en très bon état et tout. Mais c'est vrai que je sais pas encore si je vais le garder ou pas. On verra une fois que j'aurai fait les peintures et tout. Si vraiment ça va pas du tout avec la déco, je changerai. Mais bon, pour l'instant, on garde. Bon, ici j'ai mon bureau. Voilà, là ça va pas changer, hein. Il y a tout qui va rester comme ça, je pense. Donc ici, au niveau de mon salon, ça va changer. Donc là, j'ai préparé tous les cadres et affiches Desenio pour que je puisse mettre ça directement au mur. Donc là, j'avais mis un truc là pour pouvoir faire tenir les cadres, mais au final, je vais l'enlever. J'ai vraiment envie en fait d'avoir tout ce mur de cadres. Et pas uniquement cette partie-là. Donc voilà, ça je vais changer. Là, je sais pas si vous vous souvenez, mais la table en fait, à la base, dans mes toutes premières vidéos, si vous voyez, la table était noire et ça m'avait gonflé, je l'avais poncée, j'avais repeinte en couleur un peu bois clair. Mais Eden s'est amusé à colorier dessus avec des feutres et tout. Et au final, j'avais plein de marques de feutres au niveau du bois. Et franchement, j'arrivais pas à le faire partir. Donc du coup, je suis allée chez Action, j'ai repris de la peinture noire et je l'ai repeinte puisque ça faisait quand même un petit peu crade et ça allait pas du tout avec mes autres meubles. Enfin voilà, je sais pas ce qui m'a pris, mais en tout cas, ça m'a gonflé. Je l'ai repeinte en noir. Alors au niveau de la peinture, je pense aller vers une couleur un petit peu lin comme ça. Je voudrais pas quelque chose de trop trop foncé, mais le lin
lin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se marie avec tout, même si on change de déco, bah, pas forcément besoin de changer la couleur des murs. Là, je voudrais rester dans quelque chose de, entre guillemets, classique, mais qui apporte quand même un petit peu plus de chaleur que les murs blancs. Donc ici, pareil, je vais mettre un tapis pour apporter un petit peu plus le côté cocooning, parce que là, ça fait un petit peu vide. Donc à la base, je voulais un tapis type berbère, mais franchement, c'est quelque chose que l'on voit partout. Donc au final, je ne pense pas me diriger vers un tapis berbère. Je vais essayer de me trouver quelque chose d'assez clair, pas trop foncé, parce que j'ai quand même la table basse qui est foncée. Donc voilà, mais je n'ai pas encore trouvé mon bonheur. Mais bon, je pense que je vais d'abord faire la peinture et en fonction de la couleur des murs, je choisirai mon tapis. Alors ici, au niveau de l'espace télé, ça va changer aussi. Je vais enlever en fait ce meuble télé qui est abîmé. Mes enfants ont foncé dessus avec vélo, voiture et ainsi de suite. Donc du coup, il est tout abîmé en bas. Donc ça va changer. Si vous vous demandez pourquoi il y a les fils, bah, c'est tout simplement que notre télé est cassée. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, elle a eu un impact ici. Et du coup, elle est morte. Elle est toute fissurée ici. Quand on allume la télé, il y a une grande bande noire. C'est la fille d'un couple d'amis qui a lancé quelque chose sur la télé et du coup qui nous l'a cassée. Donc là, on attend avec les assurances pour voir ce qu'il est possible de faire, si on doit la réparer ou la changer. C'est la raison pour laquelle il y a tous les fils qui tombent. Et puis ici, pareil, je vais enlever ce cadre, je vais enlever ça. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je trouverai bien. Puis au niveau du lustre du salon, je pense le garder. Je pense pas le changer, j'aime bien, je trouve qu'il apporte une belle lumière et il ne fera pas trop dépareiller avec la déco que je veux faire. Donc pour l'instant, il n'est pas prévu de changer ça. Donc bien sûr, tous les changements que je veux faire ne vont pas se faire sous une quinzaine de jours, hein. On va faire ça petit à petit. La priorité numéro 1, ça va être notre chambre. J'ai déjà acheté la peinture, je sais déjà ce que je veux faire, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, je suis dans ma cuisine, c'était simplement pour vous montrer. Au niveau de ma cuisine, ce que j'aimerais changer, c'est ce mur rose qui me gonfle, j'en peux plus. Ça fait 7 ans maintenant qu'on habite dans cette maison et ça fait 7 ans que je vois cette couleur rose. Donc là, pareil, j'aimerais bien changer. Je vais garder le gris parce que bon, le gris se marie avec tout. Et ici, en fait, j'aimerais bien mettre une couleur kaki, mais pas du foncé, hein. Ça reste quand même une couleur assez claire. Donc voilà, je sais pas, ça reste une idée, j'en ai pas encore parlé à Olivier, mais c'est vrai que cette couleur rose là me sort par les trous de nez, je peux plus la voir. Say your name on my phone, yeah. 3 o'clock in the morning. We've been going and going back and forth cause we don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were on to some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight. Tonight, tonight. I just wanna love ya. I just wanna love ya. I just wanna. Donc voici les affiches que j'ai sélectionnées. Voilà. Et ici. Donc pour la plupart, ce sont des affiches en noir et blanc, hein. Pareil pour celle-ci. Alors moi, en fait, j'ai préféré des affiches noir et blanc tout simplement parce que je trouve que ça fait juste magnifique sur un mur couleur lin. Voilà. Donc là, je vais enlever les photos de mes enfants, hein, puisque en fait, à la base, j'avais créé ce mur de tableau pour pouvoir mettre des photos de mes enfants. Le problème est que je n'ai pas de super belles photos et j'aime pas forcément avoir ce type de photos. Voilà, le truc vraiment bien posé. Moi, je préfère en fait avoir des photos de ce type-là. Le souci est que j'en ai, mais pour la plupart, je les ai prises avec mon téléphone. Et du coup, quand on veut les imprimer en grand format, ben, la photo est, je ne sais pas comment on dit ça, mais elle est vraiment pas très très nette. Elle est hyper pixelisée. Celle-ci, elle est pixelisée, on ne le voit pas très bien, mais en fait, vous voyez la couleur, c'est vraiment dommage, ça part sur du jaune. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre de photos de mes enfants ici. Je vais plutôt faire un espace cadre avec des enfants personnels dans la montée des escaliers ou en haut des escaliers, je ne sais pas encore. Si vraiment je dois mettre des photos de mes enfants dans le salon, ce sera plus dans ce format-là. Pour avoir une photo beaucoup plus nette. Donc je pense faire des photos plutôt chez un photographe, hein, pour avoir vraiment de la très très bonne qualité. Alors pour accrocher mes cadres, j'ai trouvé ça chez Leroy Merlin, vous en avez aussi chez Castorama. Ce sont en fait des espèces de petites accroches où il n'y a pas forcément besoin de percer. Après, il y en a de différentes tailles qui vont supporter différents poids. Moi j'ai pris 15 kg max. Donc moi j'ai choisi béton, hein, mais vous en avez plusieurs de disponibles. Vous en avez pour spécial plâtre, bois et ainsi de suite. Donc je vais accrocher mes cadres et je vous montre le rendu final. Keep on talking to me. Don't...
Donc du lissage pour que je puisse en fait boucher les trous, puisque ça ce sont en fait les anciens trous qu'on avait fait. Et voilà, donc du coup j'en ai un là et encore un là à boucher. Et voilà le rendu final. Je suis quand même super contente du rendu. Bon, quand on regarde comme ça sur un fond blanc, ça fait un peu fade, mais vous verrez que quand on aura de la peinture couleur lin, un peu cette couleur-là, les tableaux vont vachement ressortir, donc je suis vraiment très très contente du rendu. Donc il m'en restait deux, je les ai mis ici, voilà, au niveau de la télé. J'ai enlevé le bac ici où il y avait les jouets à Eden, je lui ai mis ici, voilà, dans la salle à manger, je vais trouver un petit coin. Je voulais pas lui enlever parce que bon, voilà, c'est des jouets avec lesquels il joue et parfois il aime bien jouer dans le salon quand on est tous devant la télé. Donc voilà, je lui ai mis ça là, je sais pas si ça va rester ici ou si je vais trouver une autre place. Mais bon, pour l'instant, ça fera très bien l'affaire. Ici, bah voilà, j'ai mis mes deux petites lanternes de chez Action. Bon là, les piles commencent à être mortes un petit peu, mais bon, je voulais allumer pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Voilà, donc franchement je suis trop trop contente. Donc voilà, franchement c'est de la top qualité, je vous recommande hein, les affiches des Zegno. De toute façon je vous mets toutes les infos en barre d'infos puisque j'ai un code promo pour vous aussi qui vous fait bénéficier, je sais plus si c'est moins 20 ou moins 25%, mais voilà, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Donc ici comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre un grand tapis pour apporter un petit peu plus de chaleur. Le pouf là il va virer, c'était un pouf que j'avais acheté chez Action et franchement il est tout ramolli. Il est vraiment dégueulasse. Je pense que je vais également changer les coussins ici. Vous voyez les deux là et les deux là, c'est ceux de chez Action. Donc ça aussi, je pense que je vais virer. Voilà, je vais mettre d'autres coussins. Bon, moi, je suis super contente du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, en tout cas, les affiches des Zegno, je vous recommande à 200%. Hein. Franchement, ils sont juste top. Je vous dis pas ça parce que c'est une collaboration, quoi que ce soit. Hein. J'ai pas été payée pour faire cette vidéo. J'ai simplement reçu les produits gratuitement et encore gratuit entre guillemets. Puisque j'ai quand même dû rajouter de l'argent pour pouvoir en fait avoir toutes ces affiches. Mais voilà, en tout cas, j'en suis plus que satisfaite. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Ce sont en fait deux petites tables que j'ai achetées chez Action pour 15 ou 20 euros, je ne sais plus exactement, que j'aime beaucoup. Et du coup, les plantes, je les ai pris chez Ikea. Il faut encore que je trouve des petits cache-pots. Donc voilà, on change deux, trois petites choses à sa déco et on se sent... en tout cas, moi, je sais que je me sens super bien quand je change deux, trois petites choses ou même la disposition des meubles. Bah, tout de suite, en fait, j'ai l'impression d'être dans une autre maison, un autre chez moi. Donc, il me reste encore des cadres. Hein, je les ai pas tous utilisés. Il me reste encore ceux de la chambre. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais bon, je vais pas les accrocher aujourd'hui. Je vous montrerai ça dans un autre vlog. De toute façon, je compte vous vlogger l'évolution de ma déco pour vous donner quelques petites idées. Donc voilà. Donc voilà les deux affiches que j'ai choisies donc sur le site des Zegno pour ma chambre. Alors ici dans ma chambre, il y a tout qui va changer. Donc là, on vient de refaire la peinture blanche sur le plafond et les murs pour rafraîchir un petit peu, mais ça va pas rester comme ça. C'est-à-dire que cette armoire là, elle va venir ici. Le lit va aller là. Du coup, ces deux cadres-là, je vais les mettre au-dessus du lit. Ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais la télé, elle va virer. Le bureau, il va virer. Donc, la télé qui est ici, je pense la mettre sur ce pan de mur-là. Toute la déco-là va virer aussi. C'est plus du tout tendance. J'aime pas du tout. En tout cas, c'est plus du tout le style que je veux pour ma chambre. Je veux plutôt un esprit nature, bois. Vous voyez, on a du parquet un petit peu partout dans la maison, surtout dans les chambres et dans les pièces à vivre. Donc voilà, je voudrais retrouver un petit peu cet esprit-là. Donc sur ce pan de mur qui est ici, alors je sais pas si je vais faire ça et ça aussi, mais en tout cas ici c'est sûr. Je vais changer la couleur et je vais partir sur une couleur comme ça. Donc c'est un mélange de bleu, de kaki, voilà, c'est j'adore cette couleur, je la trouve trop belle. Donc du coup voilà, j'ai choisi celle-ci. La lampe là, elle va virer aussi, hein, franchement elle est juste horrible. C'était de notre ancienne déco et là elle est complètement partie en vrille. Du coup j'ai trouvé chez Ikea cette lampe là. Enfin c'est pas une lampe, c'est une... Ah, comment ça s'appelle? Bref, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Mais voilà, dans un esprit un peu naturel. J'adore la lumière que ça dégage. Alors, j'ai pris cette ampoule. J'adore parce qu'en fait, ça donne une lumière tamisée. J'aime pas quand il y a beaucoup de lumière dans une chambre. Et en plus de ça, avec cette applique,
Non, c'est pas une applique. Oh mince, j'ai perdu le nom. Enfin bref, excusez-moi, mais j'ai complètement perdu le nom, j'ai un trou de mémoire. Je suis fatiguée, j'ai pas arrêté de la journée. Mais bon, voilà en gros les différents changements qu'il va y avoir dans ma chambre. De toute façon, je vous vloguerai ça pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Bon, en tout cas, je suis désolée hein, avec le bruit de fond, mais tous mes voisins sont en train de faire des travaux, je sais pas ce qui se passe. Ils sont tous dans leur jardin en train de percer, scier et compagnie, ce qui fait que bah, même en ayant les fenêtres fermées, j'entends quand même le bruit. Donc je suis désolée pour ce bruit de fond. Vous êtes nombreuses à me demander des house tours, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement parce que voilà, j'ai pas forcément envie de vous montrer ma maison dans les détails, mais par contre, des pièces comme ça, si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Du coup, je vous ferai le room tour de ma chambre, je vous ferai également le salon quand j'aurai finalisé tous les petits détails. Eh bien, écoutez, moi j'adore la déco, donc ça m'a fait grandement plaisir de vous partager tout ça. Bon, j'ai mis les cadres sur mon lit avant que ça se retrouve par terre, mais en tout cas, n'hésitez pas à profiter du code promo moins 25% sur les affiches et posters. Hors cadre et hors affiche en collaboration, je crois. De toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. En ce qui concerne les prix, c'est pas plus cher qu'ailleurs, hein. C'est pas plus cher que Castorama, Leroy Merlin ou dans des magasins de déco comme ça qui vendent des affiches. Franchement, j'ai comparé et des Aigneaux ne sont pas forcément plus chers et en plus de ça, ils sont de très très bonne qualité. Bref, donc j'en finis ici avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, comme d'habitude. Mouah.